Bonjour, bonjour, bonsoir. Buenos días, buenas tardes. Depende la hora. Me presento, Guía 6, Lenguaje y Comunicación, segundo nivel. Profesores, Cristian Abalca, Nicole Banda, Alices Rojas. ¿Puedo capaz remplir Guía 6, la medida no? Clase la data. Objectif guia ça, c'est pour nous capables d'évaluer contenu que nous avons étudié dans le premier trimestre. Tant que texte littéraire, texte non littéraire, cohérence, cohésion. C'est pour nous capables manœuvrer bien, pour nous capables de gagner compétence dans compréhension de lecture. Lorsque nous finissons de réaliser guia ça dépend des classes nous hier, nous avons envoyé le professeur Panoua à travers email. Nous devons écrire email là bien pour que Guy Salim soit capable d'arriver joindre le professeur. Y a un monde qui va envoyer tout ce email ou capable de porter en papier dans l'institution, qui donc dans le lycée. Nous allons aller dans l'item 1. Comment nous capable de résoudre Guy Salim de manière très facile? Nous avons parti pour question 1. Ça, c'est une phrase qui est ouverte nous, mais phrase elle-même n'est pas complète. Ça veut dire qu'on a besoin pour nous compléter. On a complété avec petit A, petit B, petit C qui est en bas. On a pris un petit ça pour nous compléter phrase qui est dans la question 1. Ça veut dire phrase là pas complète. Si nous avons un exemple, nous avons dit que nos enseignants gonas de sus canciones. Qui phrase qui est en bas qui correspond avec texte qui est en l'air? Nous sommes capables de dire que, par exemple, nous devons respecter les règles. Si nous allons dans le petit B, il dit nous que, el sábado fuimos a la casa de Miguel. Nos enseñó algunas de sus canciones y otras de sus cantantes favoritos. Se parecían mucho en el estilo y en las letras, pero cada una nos dejaba entrar en él. La nueva que fue salida corresponde avec texte qui en l'air. Seulement, la prend petit B, nous mettez dans espace ça. Nous fait même bagaille là pour question 2. Nous avons les phrases bien et puis nous allons chercher une phrase en bas qui correspond avec elle. Nous mettez lettre qui correspond là. Nous devons respecter les règles, respecter les temps. On fait ça pour question 3. Et dans question 4, là, les différents. Question 4, là, il dit que nous avons marqué phrase. Qui au même ou trouvé qui manquait concordance. Dans petit A, petit B, petit C, petit D, ça, il y a un nom qui manquait concordance. Ou même, ou pour dire qui ça, nan yo, qui manquait concordance. Une phrase qui n'est pas complète. C'est pas comme ça, mon t'es doit écrire, eh bien, li pa coordonné. Ou ap marqué qui phrase non yo qui pa coordonné. Dans question 5 là, yo ban nou yon texte, yo ban nou yon texte. Ti texte là, c'est Bueno, Bonito et Balato. Eh bien, yo ban nou des questions pour nous capables de répondre question ça yo dans texte là. Question 5, là, il dit que, ¿cuál es el tema principal de la noticia? Il a parlé de noticia, ça. Eh bien, qui est le thème principal? Eh bien, ou pas écrit en rien, mais seulement on va choisir le thème principal là. Mais pour choisir, il faut que vous lisez le texte là avant. Mes amis, on nous fait ça en ordre. On nous lisez le texte là d'abord pour être capable de répondre avec question. On a fait ça pour question 6 là tout. Según la noticia, ¿cuál es el mejor beneficio para la salud mental al correr? Bien, c'est selon texte là, qui bénéfice, qui gagne pour santé mentale lorsque nous courons? Nous avons réponse en texte là, seulement nous avons choisi là. Nous avons fait ça pour question 7 là. Nous avons fait ça pour question 8 là. Aussi, j'en ai dit là. Les textes là d'abord pour nous capables de répondre à la question bien. Item 2, il dit que pour nous capables
li koute video sa. Nap klike sou link sa, lap voye nou direk sou YouTube. Ebyen, nap koute video a. Tit video a, se Influencia de los Medios de Comunicación en el Carácter de los Niños. Se tit video a, nap klike sou link sa, lap voye nou sou YouTube, nap koute l. E pi, loske nou fin koute video a, nap fè des argument, e kapab des argument ki pozitif, e pi nap fè kontra argument toto. Yon argument ki pozitif, e pi argument ki negatif. Nap ekri argument yo la. Dezyèmman, an kesyon de a, nap Yo mande pou nou kapab ordone logikman le paraphrase suivant. Nan pezi ta, yo ban nou yon fwaz, yon teks, ki gen plije fwaz la dan, men, e fwaz sa yo pa an od. Ebyen, pou teks la kapab yon teks ki komple, ki an od, il fò ke nou mette fwaz yo nan plas yo. Sa ka rive fwaz sa, se pa nan kwando Reven talon nan li komanse. Eske se nan el agwa li komanse? Eske se nan las abitasyones la li komanse? Adi wap chèche fwaz ki komanse tekst la, wap range yo ansi de suite. Wap ekril la. Ok? Wap fè sa pou peti be a tou. E fok fwaz la byen aranje, wap lil, wap bal sens, san ou pap ajoute anyen, ni ortograf, anyen, ou pap ajoute anyen, ou pap retire, selman wap aranje tekst la. Wap mette fwaz yo nan plas yo, l'un apre l'ot, sak nan A, sak nan B, sak nan C, ansi de suite. Ok? E nan kesyon 3, pati an ba, E yo ban nou an plijer mo. Mo sa yo nou ap mete yo ansam pou nou fe yon fwaz. La yo ban nou 5 espas pou nou fe 5 fwaz a pati de mo sa yo. Par exemple, an nou pran petita, men fwaz nan fe yo, fok yo bien aranje selon le regle, selon le tan. Par exemple, si nou ta travay avèk petita, nou kap di los. Avèk ki sa nou kapap asosye pou pwemye espas, pou dezyem espas. Nou kap di, par exemple, los alkeologos. Dezyemman, enkontralon. Un, ki sa nou kap mette devan un nan? Un tesoro. Enel. Bien, en el quizá, ¿qué cote nunca en trésor? En el océano. Bien, nunca di Pacífico. Ahí está Pacífico. Pacífico. A difuerza, que está completa, la, no que está fuerza por la. Los arqueólogos encontraron un tesoro en el océano Pacífico. La no es que fuerza li mem li. Et coordonné avec les temps, hein? Selon les règles. OK, question 4. Question 4, là, il dit que pour nous capables d'indiquer les règles de récurrence utilisées dans chacune des énoncés. Il y a qui récurrence il a utilisé là. Et là, on parle de règles de récurrence, ça veut dire des répétitions qui faites. Répétitions qui faites en texte. Répétitions capables, répétitions qui. Ki identik, li kapab yon repetisyon ki partiel tou. Par exemple, la nou weke, nan fwaz la, yo an nou plije, nan tekst la, yo an nou plije fwaz ki repete. Si pol ke kelemo soun payis al ke diga la mas inbelsyon internasyonal. La ou di ke selemos un payis en el ke ab la mas inbelsyon en el progreso teknologiko. Seremos un país en el que habla más conocimientos y adelantos de todo orden. La nueva plusieurs repetición que identique, c'est même pareil. La nueva mete repetición identique. La mete en español. Pour me dire en español, pour le mabano, ok? Mais seulement, banou, il y a un exemple.
Yeah. Et ça, on a appris quel type de répétition il y a et tout. On parle est-ce qu'il y a identique, est-ce qu'il y a partiel. Ouais. On a appris toutes fois, mais toutes les répétitions, mais quel type de répétition. Pour finir, item 3, on a fait une rédaction, on a écrit un texte qui est non littéraire. Nous avons étudié ensemble avec le professeur un texte non littéraire, c'est que nous comprenons bien qui ça, qui est un texte non littéraire. On a écrit un texte non littéraire, mais il doit avoir un caractère expositif ou bien argumentatif. Pendant que nous avons ajouté des règles qui restent là, ça veut dire texte non, il faut qu'il y ait une phrase qui répète, qui répète. Nous avons fait faut que c'est un thème qui est libre, ça veut dire c'est nous-mêmes qui avons choisi le thème, non? Et le thème est libre. Et sous extension, nos débuts sur les passages, las doce lignes. Ça veut dire nous pas dépasser 12 lignes. Dans l'espace, ça nous va dépasser 12 lignes. Ya? Et rappelez-nous, il faut que nous arranger sous question orthographe là, puis il y a une faute, et puis ça lui-même, il y a corrigé sous 4. Mais moi, j'espère que ça t'a aidé nous. Déjà, moi, je souhaite tout bon travail, bon succès.